Voilà, comme promis, ben là, je vous présente un petit peu comment j'ai réaménagé, on va dire, mon coin musique hein, dans la maison. Donc voilà, là j'ai simplement mis donc mes vinyles, vinyle un petit peu, on va dire, pas franchement métal, là, tout ce qui est métal étranger, tout ce qui est métal français. Là j'ai un petit coin Metallica et en dessous, hop, un petit coin Maiden. Ensuite, ben, les CD. Alors bon, là, ils sont rangés de manière, on va dire, un peu provisoire. Hein. Faut que je trouve un autre meuble pour mieux les ranger. Parce que là, sur deux étages, c'est pas toujours évident de les sortir. Donc là, c'est tout ce qui est donc métal étranger, on va dire. Hein, voilà, les Celtic Frost, les Def, les Forbidden, j'en passe et des meilleurs. Ensuite, ici, eh bien, là, j'ai tout ce qui est métal français. Donc, vous voyez, j'en ai quand même pas trop mal. Hein, voilà. Donc, c'est classé par ordre alphabétique. Hein, je suis très, 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 très classique. Hein, voilà. Donc, avec le coffret de l'Old Blast, avec de l'Old Blast, par exemple. Voilà. Donc, et on termine par, par Yahrzeit et ainsi de suite. Voilà. J'ai également donc un petit aparté, tout ce qui est Holy Records. Voilà, donc voilà ma petite collection Holy Records, hein. J'en ai pas mal, bon, je n'ai pas tous évidemment, j'en ai pas mal. Bon, vous marquerez également quelques goodies de Star Wars, hein, par-ci par-là, j'en ai quand même laissé quelques-uns, parce que ben, j'ai pas la place pour tous les ranger. Voilà, là encore un peu de CD, donc là on a bon, des trucs pas trop rock, on a du Cure, du Beatles, du Pink Floyd au-dessus, mais quelques bouquins. Encore des bouquins. Là, alors c'est mes fameux classeurs où je note, je garde, pardon, bah, tout ce qui est lettres que j'ai reçues pendant des années. Et là, on a donc les fanzines. Voilà. Donc voilà, un bel espace hein, qui est plutôt assez sympa. Mais c'est pas tout à fait fini. J'ai encore un petit peu de trucs par là-bas. Hop là, on va passer sur la partie informatique. Voilà, donc mon meuble avec donc les cassettes. Voilà, donc je suis un fada de la cassette, hein, c'est mon dada, comme disait Guy Lux. Voilà, donc des DVD, des cassettes, des démos. Alors en dessous, les CD, vous savez, tous les samplers qu'on trouvait dans Metallian et compagnie. Bon, puis là, c'est quelques CD bah, que j'ai en double ou en triple, hein, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc encore des cassettes un peu plus récentes. Bon, il y a notamment bah, toute la sortie de Birth Rebirth, je ne me rappelle plus exactement, enfin ce qui était sorti chez Alex Martinez, voilà, les 45 tours, donc je redis les Blu-ray, les DVD, et puis là, hop, on a donc du Metallian, encore du fanzine, enfin voilà, donc pas mal de trucs, hein, voilà, donc un bon espace assez sympa, hein, que vous découvrirez au fur et à mesure, et eh bien des prochaines vidéos. Allez, salut!